Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti nourrir le tournesol au bord et pas avec la lune, on va nourrir les soleils, enfin non les tournesols avec la bestiole. Bon là j'ai pas allumé les phares de derrière pour l'instant, j'ai allumé juste les phares de travail de devant, ça permet quand même de bien pouvoir visualiser les passages même si j'ai mis des petits jalons orange. J'ai pas le GPS, moi. Là, j'apporte du bord, en fait, sur le tournesol. Et voilà ce que je voulais vous montrer. En fait, le tournesol, quand il est petit, il suit le soleil. La tête, là, est tournée vers le soleil, couchant. Et quand ça sera le matin, la tête sera du côté est. Et après, au niveau de la floraison, il ne bouge plus. C'est pour ça qu'on l'appelle tournesol, en fait. Et c'est une plante qui a besoin de bord. L'an dernier, j'avais fait à 8 feuilles, et là, je le fais un peu plus tôt. Parce que j'ai les bonnes conditions pour le faire, et... après j'aurai peut-être pas le temps de le faire. Et bien sûr bah, on utilise le pulvérisateur. Là il n'y a pas de produit chimique hein. C'est juste des oligo-éléments. C'est pour vous montrer qu'on ne met pas forcément que des produits phytopharmaceutiques type fongicide, herbicide. On met aussi du bord. Et là c'est le bon moment. Un frontal très important pour le travail de nuit. C'est après on risque de se faire mal. Vous voyez ça quand même j'ai des doubles phares, ça éclaire bien. On va essayer de finir tranquillement cette nuit là pour le bord. Il n'y a toujours pas possibilité de le faire le matin là. Ce matin encore à 6h30, le vent se levait. Si je vous rappelle, on traite jamais au-dessus 19 km/h. D'une part pour éviter les dérives, et d'une autre, ça sert à rien de foutre du produit en l'air.